même du Cameroun, le continent. Vraiment, je ne croyais pas. Quand on m'a dit que Malox avec les 5 grosses têtes, comme des Big Congo, allait faire sortir le clip de Viviane, quand j'ai regardé même les extraits du clip déjà, avec une Viviane au gros ventre, j'ai dit, mais ça là même là. Quand j'ai vu d'abord le clip, j'ai dit, merde, la qualité même du clip, est-ce que ça les Camerounais vont aimer le clip? Mais le peuple du Cameroun, les lions indomptables, ont fermé ma bouche. Atanganan Joya, Kami Makoso. Ça, c'est pas une question de clip. C'est pas une question. C'est la mobilisation patriotique exceptionnelle de continent levant pour dire nous allons battre le record des Ivoiriens. C'est ça qui me touche. Et comme un seul homme, les Camerounais ont donné en 16 heures 2 millions, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore à 24 heures, 2 millions de vues. Après, ils sont aimés. Waouh! Mighty God. Peuple du Cameroun. Chapeau. Rien que pour ça. Dès qu'on va dire la fête, parce que les Camerounais ont l'ethnie la plus africaine du continent africain. Les Bamouns, ils ont une fête chaque 2 ans. Le Ngouen, cette année, je dis, je vais assister à cela. Parce que quand tu n'as pas fréquenté le Camerounais, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle impossible n'est pas Camerounais. Impossible, quand on dit impossible n'est pas Camerounais, frère, il faut connaître le Cameroun. De Bordeaux, avec sa chanson Djeneba, a bouleversé toutes les statistiques en matière de musique. Donc, Debodo devient la référence, la boussole. Je peux le dire, le maître. Mais les Camerounais se sont dit, si nous laissons ça, c'est que ce n'est pas nous. Nous aussi, on va monter au peuple de combat. Et c'est ça qui est de bonne guerre. Au final, qui gagne, ce sont les artistes. Le Cameroun vient de ressusciter Prince Aimé. Malox, je t'ai beaucoup critiqué, insulté. Et puis, ton monde vient encore mettre encore dessus. Mais félicitations. Félicitations. Parce que dans cette guerre, il ne faut pas mettre les organes et la haine. C'est la haine qui détruit. Moi, je n'ai pas apprécié quelque chose. Vous savez, quand Debordo a fait sortir son son, je n'ai pas vu des artistes ou des influenceurs camerounais faire sortir un autre clip sur YouTube dans le but de disperser les gens. Parce qu'à la fin, c'est une œuvre de l'esprit. À la fin, c'est l'artiste qu'on veut qu'il gagne. Donc, si nous prenons le soin de saboter la sortie d'un clip camerounais, c'est que nous sommes dans la haine. Et dans cette affaire, ça doit être un challenge. Nous, la Côte d'Ivoire, on va faire 4 millions en 24 heures. Le continent du pays va faire 10 millions en 24 heures. La Côte d'Ivoire, ok, de Bordeaux, fais-nous ressortir un son. Nous, on va monter. Voici l'esprit qui doit nous animer. Mais on sort un clip. Et puis, on va boycotter en faisant sortir un autre clip. Ça, c'est devenu maintenant de la sorcellerie. Parce que lorsque tu attaques une œuvre de l'esprit, surtout que ça va revenir en bénéfice à un handicapé qui était avec Dieu lui-même sur la terre, il te maudit. Donc ça, je n'ai pas apprécié. Quand c'est bon, c'est bon. J'ai vu le père Gou d'un Dibé Cravate partager le clip, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Djeneba est sorti, on a vu des influenceurs. Je peux le dire, Camerounais, féliciter la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine. Mais ici, là, actuellement, là, le Cameroun est en train de faire fort. Est-ce que le Cameroun va battre les 4 millions en une heure? C'est là le challenge. Et puis vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Lorsque la Côte d'Ivoire a fait sortir, je peux le dire, Djeneba, ce n'était pas pour battre le record d'un clip qui est déjà sorti au niveau du Cameroun. C'était pour battre eux-mêmes un propre record qui était le record d'Arafat Diké et je crois de Kim Makoso avec le chant Kimi. Ils ont réussi à le faire. Les Camerounais se sont dit, nous allons prendre comme référence le clip de la Côte d'Ivoire, le record de la Côte d'Ivoire et nous allons le battre. Les Ivoiriens se sont dit, bon, nous on va faire sortir tel clip dans le... Et finalement, ce sont ces gens de challenge sains, sans haine, sans colère, sans mépris qui doivent nous aligner. Parce que nous sommes d'abord des Africains. Et c'est la musique africaine qui gagne au-dessus de tout. Et ça, je tiens à féliciter les Camerounais. Peuple du Cameroun, franchement, on avait l'habitude de dire que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Mais quand la patrie, l'honneur de la patrie est mis en jeu, merde, le lion se réveille. Et là, le lion a frappé fort, fort, fort et fort. Et ça, je tenais à vous féliciter. Attendez, on recommence. Djeneba Djaba de Debordo a fait 1 million de vues en 6 heures. Mais maintenant, le remix de Viviane, de Prince Aimé et Malox a fait 1 million de vues en 4 heures. Maintenant, qui a donc gagné? Il faut qu'on calcule le discriminant. Calcule le discriminant. C'est... On calcule encore le discriminant comment là? Moins 2 ABC, moins carré carré. Divisé par plus 3 ABC
moins 2 carrés. Donc, maintenant, il y a d'abord une condition sine qua non. Attendez, la condition sine qua non, c'est que c'est De Bordeaux qui a révélé la chanson de Prince Aimé. Et de notre côté, c'est Prince Aimé qui a révélé la carrière de De Bordeaux. Il y a l'erreur sur l'énoncé. Il y a une erreur sur l'énoncé ici. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.